plus vu, donc avoir un contrat pro qui se rapprochera peut-être plus rapidement. Et pour moi, c'est une échéance importante parce que ça arrive rarement dans la vie d'un joueur de foot. Alors attention, est-ce que Pjanic est but ou pas? Demain, match très important. Il n'y a rien du tout. Regarde tes motos, il n'y a rien du tout. On fait une simulation à la Gurler. Je sais ta vue, du coup, là, ta vue. Sur ces trois, non, ce genre de cas, ça, c'est monsieur le directeur du centre avec tous ses cheveux à l'époque. Hey les gars, vous débarrassez vos tables, merci. Allez, vous remontez avec Steph, ceux qui étaient, les autres, vous prendre les voitures. Demain, 11h15, au centre. La porte ici. La ceinture adverse, on la connaît. Elle va être 4-2-3-1 quand ils n'auront pas le ballon. Et elle sera 4-3-3 quand ils auront le ballon. On sait que c'est athlétique. On sait que ça va relativement vite devant. Mais on sait qu'on peut les emmerder. D'accord? Je rappelle quand même à tout le monde que sur les deux dernières années en 16 ans, cette génération-là, on leur a mis 13 buts en 4 matchs. Ouais. Ok, donc on peut dire ce qu'on veut, quel que soit l'adversaire, à partir du moment où nous, parce qu'on va s'intéresser à nous, si nous, on joue sur nos vraies valeurs, les gars, on peut battre n'importe qui. Par contre, il faut être capable sur un match comme ça, chacun à son poste, chacun à son rôle, d'élever pour ce contraire, on finit un jour pas goûter par terre. Les Envoyards, les 96, ils ont pris la place en soir. Ah ouais. Et c'est la merde, il fait aussi trop froid là, Lyon, tout le temps. Ils sont gras comme tous les terrains. Imagine avec le bruit, putain. Quand il y a une ambiance par PSG et tout ça, qui viennent. Ouais, ils ont doit y aller. Ça doit être magnifique. Montez de genoux, montez en face, tirez. Ah les gars, allez, 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 allez. Parce qu'on est devant plein de gens, qu'on est...